On peut dire que c'est un rêve qui devient de réalité, c'est ça? Oui, c'est un rêve qui devient réalité. Hein. C'est un projet, hein. C'est un projet qui date en fait et que bon, aujourd'hui c'est possible. Hein. Donc ça fait chaud au cœur et de pouvoir être là et entraîner les jeunes hein, de nos deux, mon quartier, de notre île. Hein. Et ouais, non, c'est, là, ça fait chaud au cœur, ça booste. Hein. Ça booste pour les prochaines compétitions. Quoi. T'as eu des aides pour le matériel? Pour le matériel, ben, on a eu des aides de deux entreprises hein, qui ont bien voulu nous aider pour les déplacements des tatamis. Ensuite, nous avons eu l'aide de la Fédération de lutte. Hein. Et justement, merci à la Fédération de lutte Hirolume. Sans eux, on n'aurait pas pu être là aujourd'hui. Quoi. Alors, pourquoi le MMA? Le MMA, c'est un sport qui est en plein essor dans le monde et qui s'installe assez bien, en fait. Bon, à part ici, en Polynésie et en France, c'est encore illégal, mais je suis convaincu que dans quelques années, ça va être un sport légal comme tous les autres sports, où on pourra pratiquer librement en compétition. Il y a du potentiel ici? Il y a du potentiel. On a de bons jeunes qui n'attendent que ça, en fait, à être pris sous l'aile de quelqu'un et être guidé vers la vie d'un champion plus tard. Quoi.